quoi la lumière. Bah. Tu vois pas comment il fait beau là aujourd'hui? Oui bah ça c'est sûr, il fait beau. Et alors? Bah moi j'y comprends rien, enfin je comprends pas. Comment ça se passe? Enfin, on la calcule comment? Non mais attends, tu vas pas commencer à me casser les noix. On est bien. Tu trouves pas qu'il fait beau là? Si, il fait beau, mais bon là je suis posé, tranquille, ouais. Ça t'a jamais intéressé? Bah non, ça m'a pas intéressé là, qu'est-ce que j'ai à secouer mec? Sérieux mec, tu commences vraiment à courir sur l'haricot là? Mais mec, même les haricots ils ont besoin de lumière. Tu t'es jamais dit les plantes, les crevettes? Bah non, non, je m'en fous. Allez s'il te plaît Alex, explique-moi ça. Hé, les mecs! Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a là? Ça va? On vous dérange pas trop? Si. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Bah on l'a vu nager, on le trouve très mignon, on pourrait peut-être se joindre à vous pour faire connaissance. Mais qu'est-ce qu'elle veut Pikachu là? Bah... Tu crois qu'on chasse des Pokémon nous? Oh, on est posé là! Bah oui mais vous parliez de quoi? Oh juste de la lumière. La lumière? C'est-à-dire la lumière? Bah là, la lumière du soleil. Ok. Et on pourrait peut-être faire connaissance en parlant de la lumière, du coup? Non. Barrez-vous, là. Barrez-vous. Ah bah, sympa. Ils sont très sympathiques. Bah ouais. Ouais, bon, on va vous laisser, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Bah ouais. Bah oui. Oh, bah, vous avez des bonnes vies de merde, donc on va vous laisser dans vos trucs passionnants. Ah allez, ouais. Viens, on se casse. Allez, salut, ça a l'air passionnant, vos conversations. Bah oui, justement. Hein ouais. Allez, salut. On est des passionnés, nous. Des passionnés! Prends ton temps, man, t'es dur. C'est pas bon pour ta tension. Non mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je sois détendu là entre toi et Pikachu et ta lumière là? Bon vas-y, ça m'a saoulé. Allez, vas-y, on rentre, on va voir le patron. Lui nous expliquera. Allez. Enfin, il t'expliquera surtout, moi je m'en branle. Allez, on se casse. Oui, monsieur Bois, donc votre commande est bien au départ aujourd'hui. Vous la recevrez demain comme promis. Le clear tank de sang est bien dans mon bureau. Il n'y a aucun problème. Donc. Et Jean-Marc, tu pourrais. Excusez-moi un instant, hein. Vous? Vous bougez pas. Oui, monsieur Dubois. Tout va bien. Bah, nickel. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine commande, alors. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe avec la lumière? Je sais que les plantes, elles en ont besoin, mais on sait pas trop... Enfin, je sais pas trop, j'y comprends rien. La lumière? Vous en êtes encore là? Vous croyez que j'ai que ça à faire, là, de vous expliquer les bases de la lumière? Ah, tu vois? Je t'avais dit qu'il fallait pas le faire chier. Oh, ça va. Il y a encore le téléphone qui sonne. Voilà, j'ai que ça à faire, quoi. Donc, bon. Allez, asseyez-vous, je vous réexplique les bases. Et cette fois-ci, on n'en parle plus. Yes, c'est bon, ça. Ah, merde. Bon, tu lâches ton téléphone, là, tu prends un tableau. Toi, tu prends des Velleda. Je vais vous donner deux stylos, des feuilles pour écrire. Et vous allez me noter tout ça. Une feuille pour toi, une feuille pour toi. C'est bon? Alors vas-y, maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir sur la lumière? Bah, je suis un peu largué. La lumière, c'est quoi? La lumière, tu veux savoir quoi? La lumière pour les aquariums? Non, la lumière, en règle générale... Commençons par le début. Déjà, peut-être spectre ou des trucs comme ça, on en parle de lumière, on parle de... Bon, déjà, vous avez plusieurs types de lumière pour les aquariums, déjà, d'accord? Vous avez tout ce qui est fluo, donc ça veut dire les T8, les T10 et les T5. D'accord, ça c'est l'éclairage pour l'aquarium. Après, vous avez les HQI, les HQL et enfin les LED qui sont la dernière génération. On est d'accord? Donc aujourd'hui, on va dire que tout ce qui est T10, T8, c'est abandonné. Les fournisseurs ne font plus que les T5. D'accord? Les HQI, on va en parler que en eau de mer maintenant. Les HQL ont été abandonnés. Quoi? Non, je l'avais dit. Et enfin, il reste maintenant la nouvelle génération qui sont les éclairages LED. Donc aujourd'hui, on est à 90% sur le marché avec des produits à base de LED. Qui, de toute façon, tout ce qui est à base de fluo va être abandonné. D'accord? Donc bientôt, il n'y aura plus de T5, de T8, de T10. Ça sera fini. Il n'y aura plus que de la LED. D'accord? Et encore, au niveau de la LED, il y a différentes qualités. Il y a des qualités qu'on va dire standard et des qualités haut de gamme. Comme la LED CRI, donc CREE, qui est du très haut de gamme au niveau de la LED. Tu notes ou comment ça se passe? D'accord. Donc, ça, on est sur le type d'éclairage. On est d'accord? Après, ce que je voudrais savoir, c'est, tu vois, quand j'en ai dans les mains, il y a souvent écrit des watts, des lumens, enfin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Alors, déjà, les watts, c'est la puissance de l'éclairage. D'accord? Donc, effectivement, un éclairage en T5, qui va faire 54 watts par exemple, d'accord. Il va avoir son équivalent en puissance en LED
qui va faire dans les 12, 14, 15 watts. Donc ah ça, oui. c'est la puissance. Mais du coup, avant, on raccrochait en fait la puissance avec, avec l'éclairage pour un aquarium, quand c'était des fluos. Maintenant, avec les LED, c'est plus possible. Donc, on va surtout parler de lumens. Donc, on va avoir un ratio de lumens par rapport au nombre de litres dans un aquarium. Donc, on va savoir à peu près combien il va falloir de lumens pour un litrage spécifique. Ah, c'est vachement important, ça. Ben, ouais, ça a sûrement une incidence, ouais. Bah oui, plutôt, oui. D'accord, et je comprends pas, parce que des fois, il y a des Kelvin, tu sais, on a des lampes, là, il y a des Kelvin. C'est un peu la même histoire. Les Kelvin, c'est la température de la lumière. C'est la température de couleur de la lumière. C'est-à-dire que plus, on va dire qu'on va avoir un range entre 4000 Kelvin et jusqu'à 10, 15 et 20 000 Kelvin. Donc plus on va avoir des Kelvin bas, plus la lumière va être rouge, plus on va avoir des Kelvin hauts et plus la lumière va être bleue. Et donc on va dire que le nombre de Kelvin idéal pour un aquarium planté, ça va être 6500 à 7000 Kelvin. C'est la lumière du jour, tout simplement. Ah ouais. Bon, toi, t'as rien noté. Et toi, tu le lâches ton téléphone un petit peu ? Ah, mais j'ai un rendez-vous, moi. Tu me demandes des renseignements et tu es sur ton téléphone. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui nous casse les noix. Bon, bah, écoute, je vais expliquer à Guillaume, il t'expliquera demain. Toi, retourne à ton rencard, on en parle. Ouais, t'es comme ça, vas-y, barre-toi. Non, vas-y, c'est bon, je me mets dedans. Parce que là, il avait pas envie, quoi. Bon, allez, maintenant tu te mets à l'aise. Alex, il est plus là, il nous embête plus avec son téléphone. Tu prends note et je vais t'expliquer. Ok, d'accord ? Ouais. Allez. Donc, tu as ce qu'on appelle donc les lumières à base de fluo. Donc là, tu as les T5, les T8 et les T10. Ok ? Ensuite, tu as ce qu'on appelle les iodures. Donc, qui sont HQI, donc iodure métallique, et HQL, iodure de mercure. Et enfin, tu as les éclairages, la nouvelle génération, les éclairages LED. Voilà. Donc là, il n'y a pas de division. Donc aujourd'hui, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que grosso modo, sur le marché, on n'a plus que du T5, du T8, encore un petit peu, mais ça va disparaître. Le T10, il a déjà disparu. Les HQL, ils ont complètement disparu aussi. Et il nous reste les HQI, surtout pour l'eau de mer. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant, on va dire que 90% du marché, c'est de la LED. D'accord ? Tu as compris ? Ouais, c'est clair. Ça va, tranquille, tu te crois en Guadeloupe ou comment ça se passe là ? Bah, tu m'as dit de me mettre à l'aise. Non, mais à l'aise, il y a des limites, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui s'assoient sur cette chaise, quoi. Hein ? Donc, tu as vu, t'as tout compris ? Ouais, c'est bon, c'est clair. Bon. Qu'est-ce qui te manque encore comme information sur l'éclairage ? J'ai pris 2-3 petites notes, mais... Vas-y, je t'écoute. Mais ouais, alors pourquoi honnêtement on en a besoin en aquario, tu vois ? De l'éclairage ? Bah ouais, c'est comme dans la nature. C'est-à-dire que les plantes, elles ont besoin de lumière pour créer la photosynthèse et pour pouvoir grandir, assimiler les nutriments... Et surtout faire de l'oxygène dans un aquarium. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les aquariums, on va dire plantés, il n'y a pas de bulleur. Parce que c'est les plantes qui te créent l'oxygène pour les poissons. Et pour tous les êtres vivants d'ailleurs. D'accord, mais je ne comprends pas. Je veux un aquarium planté, je veux un éclairage. Je prends quelle lampe ? Parce qu'il y a beaucoup de lampes là, finalement. Alors, aujourd'hui, comme je t'ai expliqué là, aujourd'hui, on va être sur des rampes qui vont être équipées de LED. Ou des rampes qui vont être équipées de T5. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, de toute façon, les T5, ils vont aussi disparaître. Tout ce qui est lumière à base de fluo, ça va disparaître. Donc de toute façon, on va partir sur des rampes à LED ou des tubes à LED, maintenant qu'ils font des tubes à LED, qui vont permettre de pouvoir éclairer donc l'aquarium comme il faut. D'accord. Voilà. Mais du coup, quelle puissance ? Avant, par exemple, pour tout ce qui était T5, on parlait de 1 watt pour 2 litres dans un aquarium pour avoir... une lumière intéressante et qui puisse faire pousser des plantes dans un aquarium. On partait même sur du 1 watt pour 1 litre pour des plantes qui étaient très difficiles, comme des Rotalambacranda ou des petites plantes gazonnantes. Maintenant, on va dire qu'avec la norme des lumens, on va partir sur entre 20 et 40 lumens par litre pour un aquarium.
Dans ce range-là, tu vas avoir un très bon rendu des plantes et tu vas aussi avoir des plantes qui vont avoir une bonne croissance. Après, c'est toujours pareil. Plus tu vas mettre de l'humène dans un aquarium et plus tes plantes vont pousser. Mais si jamais tu as un mauvais équilibre dans le bac, tu vas avoir des algues qui vont apparaître. Voilà. Okay. C'est donc ça, alors. Voilà. Et après, évidemment, là, si on parle après de tout ce qui est éclairage pour les bacs d'eau de mer, on n'est plus du tout dans les mêmes normes. Ah oui voilà. Non, c'est plus la même chose. Ah oui, à cause de quoi? Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Ah ok, d'accord. Ça marche. T'as une autre question? Ouais, carrément. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un éclairage particulier si j'ai juste un aquarium avec que des poissons ou un aquarium Alors, avec non. que des crevettes? Bah, disons que tu vas plutôt privilégier les rampes qui vont privilégier les couleurs, mais pas les plantes. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à faire du coup pousser des plantes si t'as que des poissons ou les bacs de crevettes. Par exemple, les bacs de crevettes, c'est pas des bacs en général qui demandent beaucoup de lumière. C'est souvent des bacs qui ont que de la mousse et des plantes qui poussent pas très vite en règle générale. Donc des bucéphalandras, des anubias et des petites mousses. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. Voilà. Ok, ça marche. Bon, est-ce que tu as une autre question? Ouais, mais attends, là, c'est quoi cette alarme? Ouais, vas-y, ferme la fenêtre. Bon, c'est chiant parce qu'il fait chaud, là. Ah, bah tiens, en parlant de chaleur, je t'ai déjà expliqué qu'en fait, il y avait une relation entre la température de l'eau d'un aquarium et la lumière. Ah non, Si tu veux, plus la température de l'eau est basse, moins tu as besoin d'envoyer de la lumière dans un aquarium. Ah ouais. Et ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est une relation qui est vraiment très importante. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un aquarium d'eau chaude, et plus tu vas devoir éclairer ton aquarium. Ça, c'est important. Donc, on va dire que des aquariums qui vont être à 19-20 degrés, par exemple, ils vont pas avoir besoin de beaucoup de lumière. Les plantes vont pouvoir pousser sans avoir un éclairage de malade. Par contre, si tu as un aquarium qui a une température qui est très élevée, à ce moment-là, tu vas devoir mettre beaucoup d'éclairage. Ok. Ouais, voilà. Je comprends. Donc voilà. Donc par exemple un aquarium qui va être aux alentours de 28-30 degrés, type discus, tu vas devoir partir sur au moins 40 à 50 lumens par litre pour avoir un super rendu. Voilà. Ah ouais, bah c'est bon, ça va. Voilà. Bah je crois que je t'ai tout dit. Hein. Après, si t'as d'autres questions. Bah écoute, c'est impeccable. Bah là franchement, merci. Bah de rien. Bon, c'est bon, tu n'as plus de questions parce que là, j'ai plein de taf et donc... Non, c'est bon. Attends, quoi que si. Quoi? Pour la pause. Eh bien, quoi la pause? La pause du midi. Eh bien, quoi la pause du midi? Ben, ça va, on va à la plage et tout. Mais tu fais ce que tu veux, tu peux aller à la plage. Mais aujourd'hui, tu arrives avec une demi-heure de retard après la pause. Donc moi, je veux bien que vous allez à la plage, mais vous démerdez d'arriver à l'heure. Non, ouais, clairement, on a un peu abusé aujourd'hui. Bah oui, vous avez un peu abusé, ouais. Ok. C'est pas parce que vous êtes soi-disant des stars du YouTube que tout de suite, faut prendre ses aises. Non, ça marche. Ok, on est d'accord? Je note. Bon, allez, file maintenant. Allez, ça marche, merci. Tiens, tu m'ouvres la fenêtre, s'il te plaît, parce que là, je meurs de chaud. Ouais, y a pas de quoi. Allez, ciao. Allez, bye bye. Bon, allez, où j'en étais, moi? J'ai oublié ses notes. Guillaume! Oui! Tes notes! Ah putain! Je t'explique. Non, c'est pas sérieux. J'ai autre chose à faire, donc moi, ça, tu les gardes et tu les encadres et tu fais ce que tu veux, mais tu fais attention. Ça roule. Ok? Allez, merci. Allez, ciao! Ciao!